faites comme les autres, il n'y a pas de problème si vous êtes responsable. C'est un autre visage du ministre de la Santé publique qu'on a découvert ce jeudi. Je ne veux pas vous forcer toute la journée parce que vous ne voulez pas comprendre. Mais je vais vous dire qu'il n'y a pas de désordre lundi. Venez pas au travail, faites comme vous voulez, mais je crois que j'appelle à la sagesse de tout un chacun. Parce qu'on s'amuse déjà trop. La concertation convoquée ce 12 janvier par André Mamafouda au sujet des mots d'ordre de grève des syndicalistes de la santé publique a été peine perdue. Ils ont réitéré qu'ils se rendent dans la rue les 15 et 16 janvier prochains. Monsieur le ministre, nous constatons que c'était la guerre d'usure en 2016. Nous avons eu à faire beaucoup d'ateliers, beaucoup de groupes de travail, mais les résultats sont mitigés. Donc, par la voix des camarades que vous aviez entendus et qui nous ont donné mandat de signer le mot d'ordre de grève, je vais déclarer ici que la grève aura bel et bien lieu lundi. Je ne savais pas, si je savais que c'était des menaces, je ne viendrais pas. Parce que, bon, il y a même des gendarmes là. Certainement, ils partiront avec moi. Il n'y a pas de souci. Mais je vous remercie, Excellence, et bonne année. À partir de lundi prochain, les activités seront dans aux arrêts dans les hôpitaux publics. Le service minimum sera en interruption de lundi à mercredi. Et il n'y aura également pas levée de corps de jeudi à vendredi, jusqu'à ce que leurs revendications soient prises en considération. Et parlant des revendications, ils réclament la distribution des primes et autres quotes-parts, le mauvais classement professionnel des personnels de santé et l'harmonisation de l'âge de départ à la retraite, entre autres.